avoir une autre façon. Psalms 117, Psalm 117. Oh, praise the Lord, all ye nations. Praise him, all ye people. For his mercy, kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise he the Lord. Amen. O Pramanam, Arasanya.
Here I am.
Qui avait le droit de l'achat répondit, je ne suis pas
Je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne suis pas, je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour tout pour ton compte. Et il ôta son soulier. Amen. Prions le Seigneur. Béni sois-tu dans le Père Céleste. Toi, le révélateur de la parole divine. Toi, la grande pierre qui est descendue de la montagne sable et s'est corrompue main. Et tu es venu, Seigneur, sous forme de la révélation. Et tu as formé, Seigneur, toute une cité, Seigneur, que tu as appelée la montagne de Jérusalem. Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants pour la venue du Saint-Esprit, mon Père. En ce moment, Dieu bien-aimé, la grande lumière a brillé, Seigneur, dans nos âmes, et cela nous a rendu la vie. Que ton nom puisse être béni à jamais. Béni, Seigneur, la lecture de ta parole, et le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et bien, pour vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Dans le livre de Ruth, on avait parlé de Ruth, qui avait décidé de partir avec Naomi. Et quand elle est arrivée au pays, Ruth s'est mise à travailler dans les champs de Boaz. Amen. Quand elle est allée dans les champs de Boaz, Naomi a dit que l'homme, c'est-à-dire le propriétaire de ces champs-là, il est notre parent rédempteur. C'était de l'espoir pour Naomi, parce que Boaz était le parent rédempteur. Et après ça, Ruth a commencé à travailler dans les champs de Boaz. Elle galait pour survivre avec sa belle-mère. Et après cela, la Bible nous dit que Ruth s'est reposée. Et les femmes nous dit que Ruth s'est reposée en attendant la venue de Boaz. Mais remarquez que ça ne s'arrête pas au repos de Ruth, parce qu'en se reposant, Ruth attendait quelque chose. Après le repos de Ruth est venue maintenant la récompense. Amen. Ici dans le livre de Ruth, je vais prendre le livre de Ruth au chapitre 4. La Bible dit, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi et tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'assied. Donc Boaz a pris combien? 10 hommes. Parce que Boaz savait qu'en ce moment-là, il allait accomplir les rachats. Mais il fallait prendre les témoins. Amen. Dieu est parfait. Boaz ne prend pas 5, il ne prend pas 6, il prend 10. Il dit, asseyez-vous. Et la Bible continue. Puis il dit à celui qui avait le droit des rachats, Naomi est venu du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à qui est là, en présence des habitants et en présence des anciens de mon père. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Amen. Donc ce monsieur-là dit qu'il va racheter. Boaz dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais encore un problème qui se pose là. Si tu rachètes les biens de Naomi, tu vas aussi racheter Ruth de la Moabite. Donc c'était connecté. Donc, on ne peut pas parler du rachat sans parler des juifs ou des gentils. Amen. Les rachats concernaient les deux, Naomi et Ruth. Maintenant, il continue. Boaz dit, le
attaqueras les champs de la belle Naomi. Tu l'attaqueras en même temps de Ruth, une Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Ruth était d'abord une Moabite. Les Moabites viennent de la relation entre Lot et ses enfants. Donc c'était un peuple sale d'abord. Et les messieurs là, ce qui les intéressait, ce n'était pas Ruth. Ce n'était même pas Naomi, mais c'était les histoires de l'Imelec. Avant, il dit que non, moi je vais le faire, je vais racheter. Et quand il s'agissait maintenant de prendre aussi Ruth, elle dit non, ça je ne prends plus de lui. Alors, Boaz dit ok, comme c'est le cas, il prend en témoin 10 personnes. Amen. Il prend en témoin 10 personnes pour vivre les scénarios. Et c'est en ce moment-là, à la présence des 10 personnes-là, que Boaz maintenant devait prendre les souliers, que ce monsieur-là, pour prouver qu'il ne veut plus être celui qui va racheter, il va maintenant ôter son soulier et donner ça à Boaz. Pour dire que Boaz, toi, tu as le droit de rachat. Amen. Le femme a dit que ce premier homme-là, c'est Satan. Il dit que Satan avait le droit sur nous, c'est-à-dire nos corps. Pourquoi? Parce que l'homme est né de la manière, dans la manière du serpent. Parce que ce corps n'appartient pas à Dieu. Selon Dieu, l'homme devait apparaître sur la terre par la parole parlée, comme Adam. Mais Satan a introduit une mauvaise manière de venir dans ce monde, au travers de la femme. Et le Pharaon dit que tout homme qui est né de la femme, il est sujet à la mort. Amen. Amen. Et ceci enlève l'enlèvement de s'envoler. Parce que tu es né d'une femme, tu ne partiras nulle part. Ça, c'est le frère Branham qui l'a dit, frère. Non, ça, ce n'est même pas une doctrine comme je l'ai toujours dit. Ça, c'est une réalité, frère. Au moins, tu te dis que, oh, non, moi, je n'ai pas croire à ça, moi, je ne sais pas tant de ma. Ça, c'est une illusion d'optique. Un enlèvement où les gens vont sauter et partir, ça n'existe pas. Amen. 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 Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est tous nés de femmes. La Bible dit, celui qui est né de femme doit mourir. Donc, si maintenant les gens partent en enlèvement, sans mourir, donc cette Bible, elle est fausse. On va mettre ça dans la poubelle. On va prendre le Coran. Amen. Ou soit on se conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Quand la Bible dit quelque chose, les gens ont une application charnelle. Directement, enfin nous allons partir dans ce monde. Mais c'est la Bible a dit. La Bible a dit que nous ne mourrons pas tous. Ah. Ce n'est pas une partie des gens qui vont mourir, mais c'est tous qui ne mourront pas. Et tous nous serons enlevés. Mais c'était mystère. Paul a dit, voici, je vous dis un mystère. C'est Dieu qui l'a commencé. C'est-à-dire, quand on parle du mot mystère, cela veut dire que ce n'est pas de la manière dont vous lisez déjà. Parce que c'est déjà un mystère. Après, le même Paul dit que le sang et la chair n'hériteront point. Voilà pourquoi le monsieur, quand il est venu pour racheter dans le corps, il dit, ah oui, je vais racheter le bien. Ben, il fallait racheter là Ruth qui est l'épouse, l'âme. Voilà. Amen. Il dit, ah, voilà comme la bande. Man. Parce que pour l'âme, c'était que Christ qui peut racheter. Cet homme-là ne pouvait pas racheter Ruth parce que Ruth ne lui appartenait pas. Mais dans le plan de Dieu, Ruth appartenait à Boaz. C'est-à-dire l'épouse appartenait à Christ, pas au diable. Mais le diable ne saura pas racheter nos âmes. C'est impossible. Quand il arrive là, il dit, non, moi, je ne rachète plus. Je te donne le droit. Ah! Là, la Christ vient pour nous racheter. Et lorsque ce rachat arrive, c'est la dernière étape et c'est le dernier chapitre du livre des Ruth. Ah. Et le livre des Ruth, frère, madame, dit que du début jusqu'à la fin, ça montre la rédemption. Ah. Si on arrive maintenant à Ruth, qui est récompensé, ça dit que la rédemption a pris fin. Si la rédemption a pris fin, ça dit que le dernier membre a été déjà racheté. Amen. Donc ça dit que le dernier membre, le dernier élu est déjà entré. Amen. Donc on ne peut plus parler du dernier élu,
Après le départ du prophète Branham, yes, sir. Parce qu'il n'y a personne qui va la payer. Oui. Et ce rachat est connecté entre Naomi et Ruth. Tu ne peux pas parler du livre de la rédemption qui est descendu en disant que nous attendons les deux témoins. Maman. Ils viendront faire quoi? Ça, c'est vrai. Les deux témoins devaient venir avant la descente du livre. Oui, monsieur. Parce qu'il devait venir pour les appeler à l'expiation. Maintenant, quand les deux témoins vont venir, ils vont appeler les juifs dans quelle fête? Puisque aujourd'hui, toutes les fêtes sont déjà finies. On est maintenant dans la scène des convocations. Voilà. Et la scène des convocations, c'est tout le monde. Lorsque Ruth a été récompensé, et Naomi et Ruth étaient ensemble. Et Boaz ensemble. Quand Ruth, Naomi avait, Ruth avait enfanté son premier fils, Obed. Naomi prend maintenant ce fils entre ses pieds. En train de le bénir, de le bénir. Pourquoi? Parce que l'enfant de Ruth était automatiquement l'enfant de Naomi. Puisque l'enfant de Ruth avait apporté un soulagement à Naomi. C'est-à-dire que dans l'histoire du rachat, il y a une connexion entre les juifs et les gentils. N'éliminez pas les gentils dans l'histoire de la rédemption. C'est vrai que tu travailles avec deux peuples, mais c'est intéressant. Ceci est expliqué dans la dernière moitié de la 70e semaine. Amen. Troisième début pour les juifs. Les gentils sont venus et ils devaient encore revenir pour accomplir les 3 ans et demi pour accomplir la dernière semaine. Et après ça, la pierre de fête va descendre. Amen. Quand la pierre de fête descend, c'est Christ et l'épouse dans la troisième venue. En tant que marié déjà, parce que quand elle descend, elle est Mrs. Jesus. Amen. Parce qu'on ne peut pas être Mrs. Jesus avant le mariage. C'est après. Voilà. C'est là où le frère dit que Maid a été Maid d'abord. Mais après la cérémonie, elle est devenue Maid à Branham. Donc la cérémonie a déjà eu lieu pour qu'elle puisse être appelée Mrs. Jesus. Amen. Amen. Le frère Branham a été très clair. Et celui qui avait le droit du rachat répondit, je ne puis pas racheter. Pour mon compte, je peux me détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autre femme d'Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un côté est censuré et le donner à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Amen. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz. À quel point ton compte et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tous les peuples, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kijon et à Maclon. Et je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour élever le nom du défunt dans son héritage. Et enfin que le nom du défunt ne soit point retranché, le nom du défunt ne soit point par le retranché d'entre ses frères et de la perte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tous les peuples qui étaient à la porte, les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Que tous les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. C'est-à-dire les 10 personnes qui étaient là servaient des témoignages. Pour dire que réellement, Naomi a été rachetée. Maintenant, la récompense de Ruth, je vais intituler ceci. Les témoignages publics. C'est toujours l'histoire de la rédemption, mais les sous-titres, c'est les témoignages publics. Voilà, les témoignages publics. Dans le message qu'il me semble, je dis, mais le frère, maintenant, il dit ceci. Non!
did they do? They got married. And through that come this good thing. Then Ruth was rewarded by getting Christ or getting Boaz for her husband. Amen. Donc la récompense de Ruth, c'était Boaz. Celui qui était le parrain rédempteur. Ruth se reposait. Frère, c'était comme l'épouse qui se reposait. C'est là où on avait parlé du millénium dans le 7e âge. Maintenant, ici, quand Ruth entre dans la maison de Boaz, ça c'est le millénium qui est le repos éternel. Mais Frère, on dit que la récompense de Ruth, c'était Boaz. Amen. Mais la récompense de l'épouse, c'est qui? C'est Christ qui est notre Boaz. Donc quand Christ revient, ça dit que Ruth est déjà arrivée à la 4e étape. Ou l'épouse est déjà arrivée à la 4e étape. Ça dit que le rachat arrive déjà à sa fin. Which the church is rewarded by when the coming of the Lord shall come. And the bright and cloudless morning we are waiting now. It shall come now. Why? It's redeemed. Donc quand l'épouse ou l'époux revient, c'est-à-dire que l'épouse est déjà récompensée dans la 4e étape du rachat. Amen. The marriage of the Lamb. Maintenant, est-ce que l'épouse était déjà rachetée? Est-ce que l'épouse pardon, a déjà changé de nom? C'est ce que nous allons voir, c'est que le frère va nous dire ça. Dans le mariage of the Lamb, le mariage de l'agneau, paragraphe 96. And then when the church had the ceremony, makes their promises, then she takes the bridegroom's name. Quand l'église, amen, par la cérémonie, et il se donne les promesses, elle prend le nom de l'époux. Then she is no longer a church of the world. She is the church of the Lord Jesus Christ. Elle n'est plus une église du monde. Elle est maintenant une église du Seigneur Jésus Christ. Amen. I don't mean that by name. I mean that by birth, by nature. Je ne veux pas dire par le nom. Amen. Ça c'est important. Je dis, je ne veux pas dire par le nom. C'est par la nature. C'est-à-dire que l'église va prendre la nature de Christ. Comment? Notre prophète, en tant que chef agité, quand il arrive, il devait manifester exactement ce que Christ avait manifesté. C'est ça la nature de Dieu qui vient dans l'épouse. Et quand la nature arrive, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'épouse qui prend les noms. Parce que le mariage, ce n'est pas dans les âges de la nuée. Le mariage, c'est après les âges de l'Église. Parce que dans le troisième demi, l'épouse est partie aux noces. Oh, on va au noce après le mariage. Donc, Ruth était là, se reposer dans les champs de Boaz. C'est là où Boaz est apparu. Ils avaient déjà parlé avant de partir. Ils avaient déjà parlé avant même de finir le rachat. Ok, d'accord, moi je vais racheter tout. Mais il y a un homme qui va d'abord, qui a le droit plus que moi. On attend d'abord qu'il puisse décider. Mais je sais qu'il va refuser. Boaz savait. Ils avaient déjà tout a été déjà dit. Durant le temps qu'ils étaient dans le champ, c'est-à-dire dans les âges de Christ. Christ a marié l'épouse dans les âges de Christ. Et après le mariage, Christ amène maintenant l'épouse dans la gloire. Pendant qu'il amène l'épouse dans la gloire, dans les troisième demi, il accomplit directement le travail des Juifs. Et directement, il y a aussi la tribulation qui s'est passée dans les mêmes troisième demi. Et c'est là que le deux témoins étaient appelés, et appelés les Juifs. Et après ça, dans la maison de la nuée, c'est Christ maintenant qui descend avec l'épouse. Ça vient après les noces. Amen. Amen. On ne peut pas prétendre que Ruth attend toujours la rédemption, la récompense après la maison de la nuée. Parce que cette récompense, ce témoignage, elle devait se faire devant 10 personnes. Et aujourd'hui, le même témoignage devait se faire au temps des 10 ordres. Il devait être là. Frère Branham dit, c'est en ce moment-là que la pierre est descendue de la montagne, sans le secours de Dieu. Amen. Et quand
salut. Frère, on dit que la pierre, c'était le cinquième royaume. Amen. Parce que le premier royaume qui était dans le Canada, le deuxième royaume, c'était le Médoperse. Troisième royaume, c'était l'Empire grec avec Alexandre le Grand. Le quatrième royaume, c'était Rome. Voilà. Mais le cinquième royaume n'était pas visible. Yes. Et à un certain moment, une pierre descendue de la montagne, sans les secours aucune main. Frère, on dit que la pierre devait descendre au temps des 10 rois. Yes, sir. Aujourd'hui, tout Dieu n'est plus. Amen. Et c'est non pas n'est plus. Amen. Donc, si la pierre doit descendre, on doit d'abord rappeler Kouchev du Dieu d'abord. Parce que la pierre descend au temps de Kouchev. Oh, Kouchev est passé à la pierre. Et là, c'est en ce moment-là. Et après quelques temps, cette pierre qui est descendue, qui est coupée de la montagne. Souvenez-vous de la licence de frère Gino Jackson. Yeah. Et après, le frère, on a tenté de faire quoi? Il prend le sommet de la pyramide, il coupe. Frère, que si c'est une pierre qui est devenue la montagne, donc ça doit être une montagne de pierre. Et la montagne de pierre, c'est quoi? C'est les anges de Christ. Amen. Frère, dit que ça allait d'étape par étape. Tout ça, ça continuera. Quand on arrive à la fin, là, la pyramide devait être construite. Et quand la pierre va descendre, qu'est-ce que ça fait? Ça brise la statue du roi. Et le frère Branham dit que la statue du roi, c'est le sage de l'Église. C'est-à-dire que ça vient enlever les dogmes et les tableaux. Maintenant, à la descente de la paix, le fait, on ne fait plus les gens des membres d'Église. On n'est plus au niveau où le pasteur est là. Et les autres sont là. Non, monsieur. Royaume de Sego. Nous parlons maintenant du royaume de Sego. Amen. Le frère Branham dit que personne ne domine sur nous. Amen. Sauf la parole. Amen. On est tous pareils. Amen. Amen. Parce que l'hiérarchie a été introduite par les catholiques. C'est le pape qui est venu lui-même, il est sa sainteté. Le pape. Après lui, il y a aussi c'est le cardinal. Après le cardinal, il y a Monseigneur. Après Monseigneur, il y a les curés. Après les curés, il y a le vicaire. Et non, nous, dans les messages, les choses là n'existent pas. Ouais, même le frère Joseph, il n'est pas notre évêque. Amen. Amen. On n'est pas on n'a pas un évêque à Kinshasa. Il n'existe pas. Amen. Nous, notre évêque, c'est la parole. Amen. 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 Non, frère, le message est venu pour briser le système. Yes, sir. Ce sont les systèmes hiérarchiques qui ont été brisés. Yes, nous, ici, c'est pourquoi on s'appelle frère. Mm. Amen. La montagne, la pierre qui est descendue, est devenue une grande montagne. Ça a couvert toute la terre. Parce que là, la pierre est en train de faire le travail. Ça va aller partout, frère. En Australie, aux États-Unis, au Canada. Ça est partout. Amen. Les frères, maintenant, on continue. She is the church. Non. Yeah. The great universal apostolic Christian church. She becomes a part of Christ. When she does that, Christ injects into her his own spirit, his own life. Right? Qu'est-ce que Christ a fait? Christ va injecter dans l'église sa propre vie. Le frère Branham dit que si on prend la vie de Beethoven, on met en nous. Qu'est-ce que je fais? Je vais jouer la musique comme Beethoven. Si on met la vie de Frère Lefort en moi, mais je serai un grand musicien. Je vais vous chanter le petit frère. Et si on prend dans la vie de Christ, on injecte dans l'épouse, elle devient qui? Amen. Elle devient Christ. Yes, voilà pourquoi on a vu un homme vous tourner les dos. Amen. Parce que la vie de Christ a été injectée dans l'épouse. Or, injecter la vie de l'épouse, de Christ dans l'épouse, c'est simplement le Dieu et le mort. Yes. Parce que le frère a dit que tout ce qui était en Dieu a été déversé à Christ. Il dit tout ce qui a été en Christ, il a déversé dans l'épouse. Et dans le principe des morts, et des kénoses, ce n'est pas un Dieu qui vomit, c'est un Dieu qui se déverse. Ça veut dire que tout Dieu est le récipient, et Dieu dédain. Et maintenant, quand vous cherchez Dieu sur la terre, dans l'âge de la Odyssée, il est voilà. Amen. Et quand on dépasse maintenant, on vient maintenant à l'âge de l'épouse quand on cherche Jésus. Amen. Yes. Amen. Amen. Ah, mais toi, le monde me verra. Mais vous, vous me verrez. Amen. Amen. Pourquoi un Dieu m'a fait qu'il change de forme? Et pourtant, c'est clair. Il dit que bientôt le monde me verra. Oh, comment? Parce que je serai avec lui maintenant. Tout le monde glisse.
tout le monde lit ça dans la Bible. Yes. Mais il passe. Il va lire ça, il lit ça, il lit ça, il dit, oh, oh Jesus will come soon. Mais finalement, est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? Le problème, c'est que l'homme a sa pensée, comme l'a dit le frère Branham. Quand le Messie devait venir, tout le monde attendait un Messie qui descendait du ciel. Quand on dit le problème, c'est que l'homme a sa pensée pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais Dieu aussi a sa manière d'accomplir sa parole. Et depuis la nuit des temps, la parole de Dieu s'accomplit toujours dans la simplicité. Comme je l'ai toujours dit, le Messie descendra du ciel. Mais on a vu le Messie qui est sorti de Marie. Donc le ventre de Marie, c'était ça le ciel. Amen. Amen. Il vient devant les yeux et dit que Jésus, le Père, descendu du ciel. Ils ont dit, ah, ce n'est pas le fils de Marie de Joseph. Comment dit-il que le Père descendu du ciel? Est-ce que Jésus était réellement descendu du ciel? Oui, monsieur. Mais le ciel en question, ce n'était pas Marie. Et ce n'était pas le corps de Jésus. Jésus ne parlait pas de son corps. C'est la couronne de feu qui habitait en lui qui était descendu du ciel. Amen. Et depuis ce temps-là, Jésus déjà avait changé la définition du ciel. On devait déjà comprendre que le ciel, ce n'est pas le sky. Amen. C'était la même confusion avec les Juifs qui pensaient que le ciel, c'était le sky. Quand Jésus avait dit que je suis le Père qui est descendu du ciel, eux pensaient que Jésus parlait de ce qu'il est descendu de là. Ils ont dit non, on t'a pas vu descendre là, on t'a vu mettre la main. Amen. Une application charnelle. 800 ans après la prophétie d'Ésaïe, ils attendaient. Ils lisaient, ils attendaient. Ils venaient, oh, ils viennent. Le Messie vient, ils attendaient. Mais il y avait un détail qu'ils avaient oublié. Une vierge concevra. Ils devaient voir ça. Une vierge avait conçu. Mais eux, ils ont oublié. Amen. Le Father dit ceci. That's the life. That's it. This life has been born into you. Then you become a bride. Donc comment est-ce que tu devais bride? Lorsque la vie de Christ est venue maintenant en nous. C'était quoi la vie de Christ? Adam avait perdu quoi? Le nuage blanc. C'est ce qu'Adam avait perdu. Frère dit que Adam avait perdu le nuage blanc des Saint-Esprit. Et au temps de la fin, nous voyons dans la nuée qui est descendue, qui est la même chose qu'Adam avait perdu. Et c'est ça la vie de Dieu qui est jetée dans les choses. Amen. Il dit ceci, the marriage of the Lamb. Then another thing, after she has taken all these vows, après avoir pris le vœu, and so forth, and the ceremony has been said. Après avoir pris le vœu, il dit la cérémonie a été faite. La cérémonie du mariage. Like my wife's name was boy before she was married. Now she is no longer a boy, she is Branham. Now she isn't no more boy, she is Branham. Ma femme était boy avant la cérémonie, c'est-à-dire avant le mariage. Mère a été boy. Mais après la cérémonie du mariage, Mère a maintenant devenu Branham. Le mariage a déjà eu lieu. La cérémonie a déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'elle est déjà mariée à Christ. Voilà pourquoi elle porte son nom. Amen. Amen. Question answers. That's that great person, the Lord Jesus. He was Jehovah, God unveiled in flesh. Il était Dieu. Voilà la chair humaine. The Bible said, whatever you do in word or deed, do it all in His name. Tout ce que vous faites, faites-le à son nom. The Bible said, the one family in heaven is named Jesus. Toute la famille au ciel est nommée Jésus. And the one family on earth is named Jesus. Toute la famille sur la terre est nommée, sont nommées Jésus. It's named Jesus. And the whole family on earth is named Jesus. Let's pray in His name. Prions à son nom. Live in His name. Vivons à son nom. Enseignons à son nom. Mourons à son nom. Ensevelis à son nom. Baptisés à son nom. Ressuscités à son nom. The heaven in His name. Et aller au ciel à son nom. That's His name. And His bride
His name means Jesus. It will take a people out of the Gentiles for his name's sake. L'épouse est appelée Madame Jésus. Femme a dit qu'il veut prendre un peuple parmi les nations. Si nous voyons maintenant dans l'histoire de Ruth, ce n'est pas Naomi qui avait pris le nom de Boaz. C'est Ruth. Donc ce ne sont pas les Juifs qui prennent le nom de Jésus, mais c'est l'épouse. Parce que ce ne sont pas les Juifs qui sont mariés à Jésus, mais c'est l'épouse qui est mariée à Jésus. Amen. Now I think that's just about pretty near. God the last of it. And now we close in saying that this is it. Nous allons arrêter ici, arrêter par ici pour dire que ça c'est lui. And I will write upon him the name of my God. Il dit, j'ai créé en eux le nom de mon Dieu. And the name of the city of my God. Et le nom de la cité de mon Dieu. Écoutez maintenant. Which is all the same. Jesus, Jesus, Jesus. Le nom de mon Dieu, le nom de Dieu c'est qui? Jésus. Et le nom de la cité, c'est quoi? Jésus. C'est pourquoi nous disons que la nouvelle qui est descendue, c'est à la fois le livre de la rédemption, à la fois l'acte du mariage, à la fois la cité qui est descendue. Quand nous chantons la vie des pères et des lumières, ce n'est que ça. Apocalypse chapitre 21. Amen. With all this, Jesus, Jesus, Mrs. Jesus, and so forth. C'est-à-dire qu'elle est déjà Mrs. Jesus. Amen. There's a mighty fine woman in this building tonight. Mighty fine, but there's one of them that's mine. Il y a plusieurs femmes ici dans cette auditoire, mais il y a une seule qui est ma femme. C'était la sœur Mena. And there's one of them that's mine. She's got my name. I hope you got that. She is bearing my name, so will is by all right. Amen. Ça dit aujourd'hui, l'épouse porte le nom de Christ. Amen. Ça, c'est la confirmation des frères. Mais dans la durée de l'achat, il y a 10 personnes qui sont là pour servir les témoignages. Et le geste qui est fait, c'est le soulier qui est ôté. Amen. Maintenant, dans notre temps, tout croyant du message connaît ça. Tout le monde sait que le soulier a été ôté pour montrer quelque chose. Et le frère Branham nous a expliqué la raison pour laquelle la chose a été faite. Et durant cette réunion, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham dit que le fait et l'argent ne pouvait pas se mélanger. Voilà. C'est-à-dire que du côté des Kourjev et du côté des Etzamora, ça ne devait pas se mélanger. Voilà. Et à la fin de ça, l'un d'eux a ôté son soulier et il a frappé sur la table. Fabien dit, je me suis demandé pourquoi les souliers. Fabien dit, pour nous montrer que nous sommes au temps du pied. Voilà. Au temps du pied, il dit, c'est en ce moment-là que la pierre de fer devait descendre. Et cette pierre de fer qui descend, c'est pour clôturer l'histoire de la rédemption. Amen. Enfin, il y a tous les éléments possibles pour nous prouver noir sur blanc que la rédemption a pu faire. Amen. Or, si la rédemption prend le fait, c'est-à-dire que tout ce qu'on attendait, c'est déjà du passé. Amen. C'est-à-dire que l'enlèvement, yes, les coupes, yes, les fléaux, uh-huh, la femme au soleil, tout, c'est déjà du passé. Amen. C'est-à-dire, nous, on devait maintenant ajuster notre pensée. Amen. Vous voyez? Maintenant, on est venu maintenant avec une pensée pentecôtiste. Maintenant, arrivé dans le message, on veut seulement garder cette pensée-là. Frère, ça, ce sont des microbes. C'est des microbes de la pensée. Frère, si vous voyez le corps humain, si vous injectez quelque chose de mauvais dedans, ça va tuer la personne. C'est pourquoi le Frère dit qu'on ne met pas les nouveaux vins dans un vieux outre. Yes. Parce que les nouveaux vins, ça ne s'expande. Amen. Quand nous sommes les nouvelles bouteilles, on met le vin, ça ne s'expande. La révélation. Le Frère dit que la révélation elle est progressive. On doit être en mesure, n'est-ce pas, de s'expandre. Voilà.
Mais si vous mettez ça dans une vieille bouteille, dans une vieille peau, qui a déjà construit une grande église, qui a déjà établi un royaume, my. Vous pouvez donner la révélation de ce qui est dedans. Frère. Parce que tu vois, quand on mettait le vin dans la bouteille, la bouteille là, c'était en peau d'animal, flexé. Donc ce n'était pas nos bouteilles là. Non. Si tu prends la bouteille en vin et que tu mets le vin dedans, tu gardes ça là, tu vas trouver ça cassé. Ouais. Parce que le vin a le pouvoir de casser la bouteille. Ouais. C'est pourquoi cette révélation, quand ça arrive, si ça trouve quelqu'un qui n'est pas flexible, ça c'est vrai. C'est pourquoi tu as pas envie de déchirer les amis. Oui, oui. Même les jours où Étienne a dit que oh, je vois le Seigneur assis à la droite du Père. Mais les gens ont voulu déchirer les amis. Pour eux, Dieu était un. En disant que Dieu était là, il y avait quelqu'un à sa droite, lui, elle pensait que Étienne était devenu trinitaire ou trinitaire. Au loin de là, Étienne avait la révélation. Amen. Mais là, elle qui ne comprenait pas, ils comprenaient la parole d'une manière chaleureuse, ils ont déchiré les habitudes. Vieux ou tout. Pourquoi ils en avaient la vie de Jésus? Parce qu'ils avaient dit que moi et le Père nous sommes. C'est-à-dire qu'à la fin du rachat, l'épouse et l'époux deviennent un. C'est ça. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père est à moi, et moi, à lui, tous nous sommes un. Qui prétends-tu être? Tu veux dire, toi, tu es un homme, tu te fais égal à Dieu. C'était ça le problème. Et à l'avenir du livre, nous redevenons ce que nous étions avant la chute. Yes. C'est-à-dire que la divinité est introduite encore à l'homme. Amen. Et on peut encore dire, si tu ne crois pas en moi, tu ne seras pas sauvé. Parce que les saluts, comme j'ai dit, les saluts à l'âge de l'Église passaient par Paul. Les saluts à l'âge d'Irénée, ça passait par Irénée. C'était Irénée qui était Jésus. Amen. Amen. Parce que Jésus n'a jamais été l'homme de Galilée. L'homme de Galilée, c'était une manifestation simplement. Yes. Amen. Mais Jésus est toujours présent sur la terre. C'est pourquoi le Père nous dit que Jésus n'a jamais quitté la terre. Pourquoi? Il est toujours présent sous une autre forme. Il était là avec Moïse. La Bible nous dit que Moïse a abandonné le trône de Pharaon pour suivre le peuple de Christ. Or, à ce moment-là, Jésus n'était pas. Mais la Bible nous parle de Christ au temps de Moïse. C'est-à-dire que c'était le même Jésus, mais pas dans le corps de Galilée. Et quand il revient encore, il laissait le corps de Galilée, il part encore une autre forme. Et en ce temps-là, en ce temps-ci que nous vivons, Christ est la épouse pour exercer un jugement. Amen. C'est pourquoi il dit que les saints jugeront la terre. Amen. Son travail après les rachats. Yes. Ruth avait le même droit que Boaz. Amen. Amen. Puisque Ruth s'est nommé déjà Boaz. Tout ce que Boaz pouvait faire, Ruth aussi pouvait le faire. Et tout ce qu'elle épouse est, c'est Christ entier. Amen. Amen. Le message est venu simplement pour nous rendre la divinité, frère. Ouais. Ce message n'est pas venu pour créer les églises. Non. Le frère m'a dit que mon travail, c'est construire les individus. Amen. Mais que les gens deviennent des nouvelles créatures en Christ. Amen. Il dit, je n'ai pas l'intention de commencer une église ou une dénomination à pousser les gens à me suivre. Il dit, je n'ai jamais essayé de parler cela et je n'en ferai jamais. Mais aujourd'hui, frère, l'église est devenue une caisse de résonance. Ça devient une caisse d'épargne. Donc les gens sont passés à côté de la chose essentielle. C'est pourquoi le frère Benoît avait parlé de la petite fleur. La petite fleur, les gens pensent que la petite fleur, c'est mal. Tu prends l'argent et puis tu ne prends plus. Non. La petite fleur, c'est passer à côté de l'essentiel. C'est-à-dire que le message n'est pas venu pour faire les gens des membres de l'église. Le message est venu pour retourner, pour ramener les gens dans la divinité. Et beaucoup de gens dans le message, ils ne pensent même pas à ça. Quand ils disent que oh, Jésus va venir nous prendre, nous allons partir. Mais le but de la rédemption, d'abord, ce n'est pas l'enlèvement. Non. Le but de la révélation, de la rédemption, c'est pour ramener la divinité à l'homme. C'est ça le but. Maintenant, on a changé le but de la rédemption. Vous pensez que Jésus peut mourir à la croix pour vous amener manger?
Et ce qui est triste, les gens pensent vraiment quand ils iront au ciel, ils vont vraiment manger. Yes. Amen. Ce ne sont pas les poulets. Le feu est en train de ne pas construire les chambres froides. Non. C'est ça. Il n'a pas de dépôt pour stocker le maïs. Non. Ça, c'était les types. Amen. Joseph là-bas, l'Égypte, c'était le maïs, oui, et le blé. Wow. C'était normal. Mm. Mais dans la réalité, notre Joseph ici à Jacques-Ville, ce ne sont pas les poulets. Non. Il donne la parole. Amen. Il dit I'm storing the food. Maintenant, si tu es épouse, tu as besoin de manger, consulte tes frères Joseph. Amen. Et le frère Joseph ne te donnera pas le poulet, il te donnera la parole. Yes, c'est yes, ça yes, la nourriture de l'épouse. Yes. Amen. Frère, si simplement vous dites au blanc ici, venez en Christ, parce que nous serons enlevés, là-bas nous allons manger. Frère, ils ne vont pas croire la parole. Vous y mangez déjà. Ça sera un évangile bon pour le Congolais. Parce que vous êtes ça là. Ça c'est vrai. Parce que quand on est parce qu'ils iront aussi manger, ils disent, ah, nous allons capir à nous pour la mission. Et aussi là. C'est-à-dire au ciel, je passe devant un grand poulet comme ça, mamoko, tac, tac, ça veut dire, on va vous perdre, enfin. C'est-à-dire que tout, frère, tout ça, ça doit changer nos pensées. Amen. Quand on voit les livres, les rédactions, descendre, tout ça, ça doit changer nos pensées. Enfin, si les gens sont sincères, tu vas t'asseoir quelque part, oui, tu vas méditer sur la parole. Oui. Voilà pourquoi les pasteurs aujourd'hui, garde les gens captifs dans les églises. Ils ne veulent pas que les gens écoutent le mystère du royaume. Ouais. Attention avec ces gens-là, attention. Non, non, non. Nous, nous prêchons alors. Depuis que j'ai commencé, j'ai fait le livre, frère. Voilà. Et le frère nous a montré que la pierre devait descendre au temps des Diwa. Maintenant, je vous pose la question, où sont les Diwa? Ils ne sont plus là. La pierre de fête est descendue. Oui, monsieur. Depuis longtemps, le frère lui-même a parlé de la pierre de fête, comme la Diwa de gloire. C'est là qu'elle est descendue. Tout le monde a ça dans l'église. Ouais. Félicitations. Amen. Voilà. There's a mighty who did such a job. Maintenant, ici, la parole est chapitre 5. Il faut traduire ceci. Voyez-vous, Boaz s'est rendu là. Quand il fait, il s'est rendu là, il s'est tenu là. Il a pris les anciens et est allé devant la porte. Il a ôté son soulier et a dit, que l'on sache aujourd'hui que je rachète Naomi et tout son héritage. Et en même temps, il a eu la Moabite. Amen. Amen. Que les gens sachent. Les gens sont en train de donner une lumière ici. Amen. Celui qui n'a pas le pentecôtisme ne peut pas saisir ça facilement. Parce que le rachat de Naomi, n'est-ce pas? Le rachat de Naomi était connecté à celui des rites. Ça s'est passé au même moment. Et quand Jésus était venu, qui était-il venu racheter? Israël. Ça, c'est les trois années de 1970. Il est d'abord parti là-bas. Quand il fait en prenant Israël, il a eu l'épouse des nations. Amen. Frère Branham dit que voilà pourquoi Daniel n'avait pas vu l'épouse. Il dit parce que l'épouse était en Christ. Daniel n'avait vu que la 70 semaines. Parce que la 70 semaines, c'était pour Christ. Et l'épouse était à l'intérieur. Il fallait que Christ soit crucifié et que l'épouse puisse sortir de lui. Voilà pourquoi on dit que les 70 semaines et les anges d'église sont dérivés des 70 semaines. C'est Nabucodonosor qui voit la statue qui était les anges d'église. Mais Daniel n'avait pas vu ça. Amen. Quand il fait entraîner Israël, il a eu l'épouse des nations. C'est assurément ce qu'il avait fait. Quand il prit Israël, il est allé et il est allé vers le ciel. C'est ce qu'il devait faire. Quelle était la première chose qu'il dut faire? Racheter le ciel. Et l'église des nations est tout simplement la sœur de cette femme, de l'église israélite. Certainement, ainsi, il dut racheter Israël afin d'obtenir ceci. Il dut racheter Naomi afin d'avoir Ruth, son épouse. Donc on ne peut pas dire que Ruth est rachetée, mais pas Naomi. C'est impossible, ça n'existe pas. Maintenant, quand tu fais, avant de pouvoir la prendre, oh gloire, ouf, quand tu fais, il est allé à la ferme. Je pense qu'il avait tout repeint et qu'il avait mis de nouveaux tapis sur le plancher. Ainsi de suite.
Il s'est fait qu'il ait construit une nouvelle maison. Dans notre cas, c'est une nouvelle maison. Et après avoir tout préparé, il rêvait pour le mariage avec un bouquet de fleurs sur son costume. Là, nous disons que le mariage a déjà eu lieu sur le visage de l'Église. Amen. Tout va continuer. Dans une semaine, je dis. Il décide. So, the next morning, then he had to make a public testimony. Et le matin suivant, il devait faire un témoignage public. He went down and met this man at the gate. Before the elders, il est parti rencontrer cet homme-là à la porte, devant les anciens. And it had to be in a public place. Ça devait être dans un lieu public. And he looked him in the face. He said, can you redeem her? Now, if he had to first redeem Naoma in order to get Ruth, and Christ had to redeem the Jewish church first in order to get the gender right. Amen. Mais pourquoi vous enlevez les rachats des Juifs? Pour avoir l'épouse, il devait d'abord racheter les Juifs. She came in with Naoma as an alien from another country. A Moabite, Hidden, in Payan. That's what we were. C'est ce que nous étions. Les Gentiles, les Gentiles Payan. And remember, he had to get Naoma. Rappelez-vous, il devait prendre Naomi. And when he got Naoma, he got all she had. Quand il avait pris Naomi, il a pris tout ce que Naomi avait. Qu'est-ce que Naomi avait? Les pieds de l'Imelec ainsi que Ruth. Amen. Remember, when Christ came, he never spoke of the Gentile church. Quand Christ était venu, il n'avait pas parlé à lui des gens. D'ailleurs, on avait dit, il avait dit aux disciples, n'allez pas vers les gentils, allez vers les brebis perdus d'Israël. Et ce passage-là, mon grand-père m'avait dit, tu vois, Jésus n'est pas venu pour vous. Il m'a montré ce passage. À ce moment-là, je ne peux pas comprendre le message. Il dit, Jésus n'est pas venu pour vous, il est venu pour les brebis perdus d'Israël. Toi, tu es israélien. Je lui dis, non, moi je crois en lui seulement. Mais je n'avais pas d'argument. Mais lorsque j'ai pris le message, il était déjà mort, malheureusement. J'allais le récupérer. He came to his own receiving not. He was always to his own. Amen. God not in the way of the Gentiles, c'est ça. Go not into Samaria, but go rather to the lost sheep of Israel. And as you go, preach the gospel, heal the sick, raise the dead, cast out devils, freely as you receive, freely give. Is that right? La congregation dit amen. Send them two by two. And he had to redeem that church. And when he redeemed that church, he got the Gentile bride. Quand il avait racheté Israël, il avait pris aussi l'épouse des gentils. Amen. That was a bargaining. See, he got the bride when he redeemed the church. Amen. C'est là que nous a été montré par les 70 semaines de Daniel. Comme quoi le troisième demi devait s'accomplir. Amen. Mais dans les parents et dans terre, dans le témoignage public, là, il y a le frère Bonhomme qui explique. Et en ce moment, il y avait 10 rois, comme je l'ai dit. Il y avait 10 personnes dans la Bible d'abord qui devaient être là pour le témoignage public. Et quand le témoignage public est fait, pourquoi est-ce que Boaz avait fait ça? Pour que les gens puissent être témoins. Wow. En fait, si le monsieur est arrivé encore pour dire que non, moi, j'ai changé ma pensée, je vais l'acheter, il dira non, les témoins sont là. Wow. Et le frère Panam a pris le temps de dire voilà comme les témoins. C'est-à-dire que c'est un signe que vous marquez. Que si vous voulez que la pierre de fer puisse descendre encore, il faut d'abord voir les dix rois. Il faut que ces dix rois puissent d'abord revenir. Donc, sans les dix rois, il n'y a pas de témoignage public. Voilà. Ça dit que cela devait arriver à ce temps-là. La Bible est parfaite. Ensuite, il devait témoigner publiquement. Il enleva son soulier et lui donna. Et il dit, voilà, que tout Israël sache que j'ai racheté Naomi. Et j'acquiers aussi lui, amen, je prends pour épouse lui. Qui était-ce
les seigneurs de la moisson. Amen. La voilà. J'ai racheté Naomi et j'acquis Ruth. Et Ruth sera mon épouse. Quand il dit qu'elle soit comme Léa et Rachel et les autres, et qu'elle donne naissance à l'ennemi. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est vrai. Israël, puisse-t-elle être ainsi. Et voyez, il l'a témoigné publiquement. Qu'a fait Jésus pour le faire? Il a témoigné publiquement alors que Satan ne pourrait mourir pour les péchés. Quand il était le pécheur, il est le père du péché. Mais Jésus, lui qui était innocent, le Dieu du ciel qui n'avait pas à mourir, descendit et témoigna publiquement en mourant et rêvé entre les ciels et terre. Un témoignage public, elle dépouilla de ses vêtements et on le suspendit entre les ciels et la terre. Les corps. Amen. Dans la honte. Et il mourut d'une mort ignominieuse, pécheresse, pour nous racheter. Un témoignage public. Donc, le témoignage public avait commencé au calvaire. Jésus a été crucifié publiquement. On a déchiré ses habits, il a été humilié publiquement. Mais le diable ne savait pas qu'en ce moment-là, il était en train d'accomplir la parole de Dieu. Mais remarquez que ce témoignage-là n'était pas au complet. Après, parce que dans Apocalypse chapitre 5, Jean pleurait encore. Amen. Parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir les livres. Jean pleurait. Mais après ça, on dit qu'il ne pleure point parce que les lions de la tribu de Judas avaient été pour ouvrir les livres. Après, Jean a commencé à chanter un nouveau cantique. On avait dit que c'était l'épouse. Après, il va le faire. Amen. Et c'est en ce moment-là maintenant qu'il y avait l'accomplissement du témoignage public qui avait commencé depuis le calvaire. Amen. Il fait maintenant continuer. Que faisait Ruth? Rien du tout. Elle s'est reposée. C'est ça qu'on avait dit dans les choses écrites. Elle attendait à même. Plus de la mer, plus de trouble. Dois-je être un méthodiste? Dois-je me joindre au baptiste? Dois-je être un presbytérien? Non, monsieur. Recevez simplement le Saint-Esprit et reposez-vous. Nous attendons la venue de cet heureux jour du millénium. Gloire. Quand notre Seigneur béni viendra enlever son épouse qui la tient. Là, on parle d'une des millénium avant l'enlèvement. Vous voyez ça? C'est pourquoi on avait parlé du millénium et le matin, qui est égal au septième âge de l'Église. Mais la venue de la nuée nous introduit maintenant dans un repos éternel. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit que le troisième épisode, c'est du baptême du Saint-Esprit au pays éternel du millénium. C'est ça. Il dit, la nature soupire, les figuiers, tout attend ce jour de la délivrance bénie, quand les parents et la terre reviendront prendre son épouse. Maintenant, elle se repose. Sous la sanctification, non. Sous la justification, non. Mais à la fois, sous la justification, la sanctification est en repos. Donc, tous les trois. Et l'épouse se reposa en attendant la venue du Christ. Et aujourd'hui, on peut montrer, noir sur blanc, que Christ est déjà venu. Voilà. Ce qui est malheureux, les gens du deuxième dessin qui disent que Christ est venu, mais ils ne voient pas ces choses. C'est le pentecôtisme de la pensée. Voilà. Now, notice in here, at the end of this age, now, Daniel in the second chapter, and 44th and 45th verse, he watched this image with great consideration. And he watched it until a stone was cut out of the mountain without hands. And it rolled down and smote the image in the feet and broke that. Now, it never hit on the head. Now, hit it in the feet. That was the end time. Then 10 toes. Father, indicate, la pierre n'avait pas. Casser la pierre à partir la statue à partir de la tête, mais c'était à partir du pied. Il dit pourquoi ça? Il dit parce que c'était l'état de la fin. Amen. Et les femmes nous avaient dit que l'état de la fin, c'est la fin de la 70e semaine. Amen. Amen. Et cette statue-là, c'était au temps de Rome. On avait parlé ici de l'homme du péché. C'est l'homme du péché, quand l'homme du péché est révélé, hein, c'est en ce moment-là que la pierre descend. Et la révélation de l'homme du péché vient après l'enlèvement. Amen. Pas avant. Amen.
Ah, very well done. Amen. Amen. He continued. But it was in the days of the impalers of the rock, stone that was held out of the mountain without hands. Smote the image in the feet. Now, cut out of a mountain must have been a mountain of stone. It was cut off the mountain of stone. Now, did you notice? Fabulam dike, c'est là a été coupé d'une montagne de pierre. Et quand cette pierre-là descend, c'est au temps de Dieu. Hein? Et en cela, le témoignage public a été fait en cet âge. Pour nous montrer que nous sommes arrivés à la fin de la rédemption. C'est-à-dire que l'épouse des gentils a déjà été rachetée. Le livre de la rédemption est déjà descendu. Amen. Amen. Tout ce que l'homme avait perdu, il l'a reçu. Amen. Si cela n'était pas le cas, le frère Branham devait d'abord être ici. Amen. Si vous voyez Dieu retirer ce nom de la scène, ça veut dire que le travail est déjà arrivé à le faire. Mm. Voilà tout ce que les gens doivent faire, ils doivent ajuster leurs pensées. Mm. Amen. Amen. Et ainsi nous allons parler du cinquième mot. Il said, and did you notice right now at the last hour, when he brought in where that this last great conference, where Khrushchev with five nations of the East, a senator, the leader, five nations of the West represented. And then 10 tons of the image, they would not mix. And Khrushchev took off his shoe and beat it. Amen. Spirit of mind would pick that up right quick. Quand Khrushchev a pris son soulier, il a tapé sur la table. Il dit que l'esprit qui est rapide va saisir ça. Amen. Maintenant, le message, combien de gens ont saisi ça? C'est ça. L'état de Dioua, mis en terre, il s'est déjà passé. Le soulier a été tapé sur la table. C'était pour montrer que nous sommes arrivés au temps du témoignage public. Pour montrer que Ruth est déjà racheté. Naomi aussi est déjà racheté. Donc, l'histoire de deux témoins, l'histoire de tout ça, c'est déjà terminé. Parce que le frère nous dit que l'Égypte a été appelée sous le sixième sceau. Amen. Et le frère nous dit aussi que ce sont les deux témoins qui ont ouvert le sixième sceau. Est-ce que le sixième sceau est ouvert? Amen. Oui, monsieur. Mais qui a ouvert? Oui, monsieur. Ce sont les deux messieurs. Amen. Les deux témoins. Oui. Ah, vous les avez vus où? Ah, en ce moment-là, il y avait un esprit de Moïse. Il y avait l'esprit de vie. Amen. Et l'esprit de Christ. Amen. Devant la montagne de transfiguration, on voit Élie et on voit Moïse. Mm. Comme on dit, ils étaient partis, ils étaient tous fusionnés. Amen. 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 Et Christ est scellé, ouais. On voit maintenant un homme qui vient et qui nous dit que je sais que j'ai quelque chose à faire pour appeler Israël au Seigneur. Amen. Yes. C'est là que conformément à Malachie chapitre 4. Amen. Et Malachie chapitre 4, comme je l'ai toujours dit, c'est dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas de nouveau. Amen. Zacharie 14, c'est dans l'Ancien Testament. Et les Juifs lisent ça. Et ils attendaient ça. Amen. Mais les Juifs que vous voyez là, qui attendent quelque chose d'imaginaire, ils sont également comme les gentils. Amen. Amen. Vous voyez, qu'est-ce que les Juifs ont fait? Les Juifs ont amené les gentils dans le judaïsme. Jusqu'à ce que les églises du message appellent maintenant un Juif pour venir prêcher dans l'église du message. Il va prêcher quoi? Lui qui n'a même pas crié Jésus dans sa première venue. Maintenant, il va prêcher quoi? Tout ce qu'il peut faire, c'est de vous amener dans le judaïsme. Mmh. Parce que le judaïsme, ce sont des choses physiques. Mmh. Et l'enlèvement physique. Nous allons manger la nourriture physique. C'est du judaïsme. Mmh. C'est pourquoi on a dit que dans la poésie, on a dit qu'il y avait des gens qui avaient l'esprit de grenouille. L'esprit de grenouille s'est regardé en arrière. Ce qui est passé dans le premier exode, ils veulent retourner dans ça. Amen. Maintenant, Dieu n'est plus là. Tout ce que les Juifs font là-bas, cela ne regarde pas Dieu. Ils vont construire le temple. Les Messie ne viendra plus jamais. Parce que la première venue, ils l'ont manqué. La seconde venue aussi, ils l'ont manqué. Et puis, au moment où je parle comme ça, il n'y a plus de venue, c'est déjà fini. Amen. L'épouse a déjà été rachetée. Les Juifs ont été rachetés. L'histoire de la rédemption, quoi, c'est qui finit, terminé. Amen. Et tout ce que nous attendons maintenant, ce sont les pompes de Poutine. Amen. Et le monsieur de la Corée.
Mon ami là, il a commencé. Nous attendons maintenant, ils vont faire descendre le monde. Parce que la Bible dit que ce monde passera avec fracas. Et cela viendra. Frère Madame dit que comme nous sommes assis là, il y a déjà les bombes. Il y avait un message que le monsieur avait lancé. Il dit que je suis prêt à appuyer le bouton. Ça, c'est trop mon chambre. Comme monsieur a répliqué, comme pas dit que dites-lui que moi aussi j'ai un bouton plus dangereux que le sien. Vous voyez là où nous sommes. Les déclarations comme ça en public, frère, cela montre que c'est déjà fini. On doit nous commencer à penser à l'enlèvement, tout ça, c'est fini. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'avant la descente du livre de la rédemption, il n'y avait pas de langage comme ça. Non. Ça n'existait pas. Amen. C'est après maintenant que tout soit fini. Dieu maintenant rachète les Israël, Dieu rachète les pousses, Dieu finit le travail, il leur donne accès. Maintenant, comme nous sommes là, anytime, ça peut parler. Amen. Ne pensez pas que parce que toi, tu prépares le mariage, tu vas avoir le problème. Eh, on va être là. Que le Seigneur vous bénisse. Je pêche pas mal, toi déjà. Bon, quand on a téléphoné, c'est le mariage. Le jour de la rédemption est là. Science et l'histoire. Et ça, c'est ça. Pyongyang. Vrai Pyongyang. Vrai Pyongyang. Vrai Pyongyang. Oui, c'est vrai. Je m'attends à tête. Vrai Poutine. Thank you.
Amen.